Alors, pour je te laisse le L là, Bertrand. Non, moi j'ai besoin que du I. Je prends le I. Je prends le I. Vous avez jamais vu le concert de Woodstock 69, vous l'avez vu à la télé ou pas? Non. À mon avis, il y a un mais... Give me a F, F. Give me a U, U. Give me a C, C. Give me a K, K. What's that for? Fuck! Allez, ça va aller. T'as encore pas pris ta petite boule bleue ce matin? J'ai écouté du Santana ce matin, ça m'a... Ah, bien. Soul Sacrifice. Bien. Et pour un reportage à Metz, un peu de neige qui tombe, un peu de grêle, un peu de verglas, on est plutôt bien dans le thème. Hein. Hop là, fais gaffe, la glisse. T'as pas de gants, toi. Si tu viens à Metz sans gants, t'es mort. Hein. T'as des gants. Hein. On y va? Allez, en route, on va chercher des mecs à l'école. Bonjour. On a deux jours où on a développé le bi quotidien pour pouvoir développer les joueurs sur deux créneaux dans une journée. C'est important, c'est intéressant dans la formation parce que après quand vous êtes au niveau professionnel, c'est ce qui se passe régulièrement. Donc voilà, mais ça c'est grâce, et ça on le dit jamais assez, c'est grâce à la collaboration des établissements avec lesquels on est partenaire qui font un boulot remarquable. Donc grâce à leur travail, au travail des chefs d'établissement et de Marjorie qui gère un petit peu la scolarité, on arrive à avoir des conditions de travail et de développement du joueur qui sont vraiment de qualité et vraiment très intéressantes. Au FC Metz, voilà, nous avons l'envie de continuer à travailler avec des structures externes. Pour nous, c'est important que le jeune puisse voir ce qui se passe aussi autour de lui, en dehors du FC Metz, on va dire. Et donc, avec les proviseurs, nous pouvons mettre en place des emplois du temps particuliers pour qu'ils puissent avoir des périodes d'entraînement, matin ou après-midi. Donc ça, c'est quand même un avantage. Le voilà, mon petit Alec. Bonjour. Ça va, mon petit? Tu reprends à midi, là? Tu manges à midi ou tu reprends à midi? Je mange à midi. Tu manges à midi? Oui. Et ton stage, tu l'as fini, alors? Ah oui, j'ai fini, mais j'ai 2 jours de rattrapage. Tu vas aller faire quand? Pendant les vacances? Pendant les vacances. D'accord. J'ai toujours mon rôle, moi, d'aller vers les enseignants, d'expliquer quand même qu'ils ont des journées très chargées et que ce n'est pas toujours facile pour eux, hein, puisque même psychologiquement, on peut sentir à certains moments de l'année des difficultés pour eux. Donc mon travail, c'est aussi d'être dans la médiation et de pouvoir expliquer ça aussi à l'équipe enseignante extérieure. Du matin 6h45 jusqu'au soir 20h, c'est des longues journées, ça toute la semaine. L'école, c'est plus mis en valeur que le côté sportif. Des fois, ils sont capables de nous interdire de nous entraîner parce qu'à l'école, ça ne s'est pas très bien passé. On a eu un souci. Kamel, il s'est fait expulser du cours parce qu'il a mal répondu à la prof. Mais quelle attitude je dois avoir, moi, quand il arrive à 15h sur le terrain? Fermer les yeux? Faire comme s'il n'en était rien? C'est pas possible. Kamel, viens ici, viens dans mon bureau. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin en histoire géo? Ah, t'as manqué de respect aux profs? Bah, écoute-moi bien, tu vas prendre ton sac, tu vas retourner dans ta chambre et tu vas prendre le temps de bien réfléchir à savoir si ces valeurs-là vont t'amener à réussir ou pas. Allez, messieurs, en route! C'est très froid dans ce pays. Oh la vache! Vous avez monsieur Promant dans l'angle qui vous annonce, qui vous donne une couleur. Vous devez être capable de l'annoncer. Il a 2 chasubles de couleur. Dans tout le travail, vous devez être capable de dire si c'est orange ou jaune. Orange. Voilà. Et vous annoncez. Orange. Viens chez moi, moustache. Gauche, droite, bien joué. Oh, c'est mieux, Alati. Eh, c'est quand même mieux, là. Ah ouais, mais tu rigoles, mais c'est quand même mieux, putain, par rapport à tout à l'heure. Voilà, dos droit. Viens, viens, viens. Ouais, Matt. Viens, viens, viens. Tous ces grands joueurs qui réussissent ne sont pas que des joueurs de foot. Si on regarde Sadio Mané, parce qu'on parle de Sadio qu'on connaît, il avait un mental de fou. Et c'est là-dessus qu'on parle.
Moi, le joueur, quand il était ici, bien sûr qu'il était exceptionnel. Mais moi, quand je passais dans sa chambre, tous les soirs, il était en train de travailler, mais comme un malade. Mais quand on dit ça, tout le monde va me dire « je travaille », mais pas comme Sadio. Moi, Sadio, j'ai des anecdotes. Avant d'aller s'entraîner chez les pros, il courait 10 km. Il ne le disait à personne. Et quand il était chez les pros, il était en aptitude de faire largement l'entraînement. Il faisait gainage abdos tous les jours. Pourquoi ? Parce que lui, sa vision déjà, c'était pas de jouer au FCMS, c'était de devenir le meilleur joueur du monde. Ne te pose pas la question si nous, on a tout fait pour toi, mais déjà pose-toi la question si tu as tout fait, toi, pour pouvoir réussir. Parce que si tu... vous savez, c'est comme les gens qui changent tout le temps de maison et qui disent « les voisins sont cons ». Bah ouais, mais si t'as changé 10 fois, t'es sûr que c'est les voisins qui sont cons ? Sors loin ! Ouais, mal joué ! Sors d'ici ! Sors d'ici ! Sors d'ici ! Ah, attends ! Oui ! C'est les vieilles Arthur ! Bonne milieu ! Sors de là ! Bravo, Marc ! Bravo ! Libère, plus loin, plus loin ! Bon, essaye de voir avant. Vois avant, mon gars. Vois avant. C'est un truc de ouf! Là, ils sont à l'agonie, là. Mais comme c'est filmé, ils se disent qu'il ne faut pas lâcher maintenant. C'est bien, les poulets, c'est bien. Une carrière, ça se joue sur un fil. Et si tu veux que ça se joue sur un fil, il faut qu'à un moment donné, bah, ce fil, bah, tu sois à la limite. Des fois, il peut casser, ça s'appelle la blessure, il y a l'échec. Mais si tu ne vas pas chercher ton 100%, si tu restes toujours à 80 ou 90%, tu auras toujours cette limite qui t'empêchera d'avoir ce petit curseur, ce petit pourcentage, qui te permet de ne pas rester ici, mais d'aller là-bas, quoi. C'est bien, Visclou. Ouais, Visclou. C'est mon dada. Un jour, un samedi midi, je me souviendrai toute ma vie, il y a une dizaine d'années, peut-être un peu moins, je ne sais plus, je rentre chez moi et dans la boîte aux lettres, j'ai 2 enveloppes. La première enveloppe, je l'ouvre. La première enveloppe, c'est un message de Miralem Pjanic qui nous invite à la finale de la Ligue des Champions. Oh, ouais, génial. Et puis j'ai une autre enveloppe qui est peut-être un peu moins clinquante, un peu moins pétillante, mais c'est une enveloppe de Mathieu. Et Mathieu, il m'invite à l'inauguration de son cabinet de kiné. Ben Mathieu, il faisait des passes à Mireille pour que Mireille marque, ou souvent l'inverse, parce que Mireille faisait aussi des belles passes. Mais ça veut dire qu'ils ont été dans la même équipe à un moment donné. Ils ont travaillé tous les deux ensemble, puis leurs chemins se sont séparés, l'un vers le haut niveau du football mondial et européen, mais l'autre vers, je dirais, un épanouissement dans un domaine où il est kiné du sport, qui lui tenait à cœur, etc. Et quand je remonte, je dis à mes enfants, je dis, ben, vous savez quoi ? Je ne sais pas de qui je suis plus fier. Et ce sentiment d'avoir réussi une formation, je pense qu'il est là-dedans. Une formation réussie, c'est quelqu'un qui a eu cet épanouissement-là, qui a tiré le maximum de son potentiel. Peut-être ça s'arrête. Mais par contre, derrière, ça m'a donné les armes pour construire ma vie d'homme et ma vie professionnelle future, peut-être ailleurs. Allez, à tout à l'heure, bon app, les gars. Il est bon.